Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Nous voilà enfin arrivés. Les gens sont gentils ici. Personne ne nous attaquera ici, Hugo. Cette ville est sous la protection du comte de Provence. C'est un seigneur très très puissant. En tout cas, c'est magnifique ici. Vous êtes vraiment sûr que l'alchimiste nous attend? Eh bien, Magister Vaudin m'a dit qu'il allait préparer une maison pour nous. Une maison tout entière? Oui. L'ordre est très ancien. Ils possèdent des maisons et beaucoup d'autres choses. Ils ont construit le laboratoire de ta mère, et même le château d'Ombrage, tu te souviens? Oui. C'est gentil de nous donner une maison. C'est parce que tu es très important pour eux. Sa Majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville à ses côtés? Je le permets. C'est une fois. Va jeter un œil avec lui. Merci. La maison est située sur les hauteurs de la ville. Elle a une girouette en forme de phénix. C'est compris. Et sois prudente surtout. Alors, il y a quelque chose qui te plaît? Je crois que tout me plaît ici. Bien. Il y a sûrement plein d'autres choses à voir. Eh bien, tu as envie de voir quoi? Je veux tout voir. On va essayer. Alors, dans le premier chapitre, on n'a rien ramassé. On verra si dans le chapitre 2, il y a quelque chose. En tout cas, là, il n'y a rien. Salut les cochons! Viande rôtie! Goûtez-moi ça! Il n'y a rien non plus. Alors, il doit y avoir des fleurs à collecter, des coffres à ouvrir et des plumes. Là, apparemment, il n'y a rien non plus. Victor d'Arles vous souhaite la bienvenue à la foire annuelle de la Saint-Jean. Découvrez les produits de notre région et d'ailleurs au marché. Achetez du poisson à la criée et testez nos jeux d'adresse. Première partie offerte. Demain a lieu la foire aux bestiaux tant attendue. Les enchères vont aller bon train. Bonne chance. Le comte Victor d'Arles vous souhaite une excellente foire de la Saint-Jean. Tous ces poissons. On pourra revenir. Alors, est-ce que ce serait par là? Alors, ah, attends. Oui, on achètera plein de choses. À aller voir cet étal. Nos stocks commencent à baisser. La foire est encore plus grande que l'année dernière. Il me faut une nouvelle robe. Pas trop chère. Est-ce que si on va par là? Tu sais, à cause des cochons. Ah, alors, attends. Oh, oui. On va aller déjà par là. Une maladie. Et je ne te raconte pas l'odeur. On va essayer de récolter les plumes, des fleurs, je sais pas quoi. La criée va bientôt ouvrir. Tu ne veux pas y aller? Non, j'attends la foire aux bestiaux de demain. Donc là, c'est sûr qu'on peut pas y aller. Il n'y a plus rien. Alright. On va vraiment tout explorer. Hein. Ah,
Pardon, pardon. Tu as vu ? Quoi ? Les gens d'ici, ils sourient. Ah, c'est vrai. Donc ce n'est point à ramasser. Là non plus. Là, il n'y a rien. Oh, regarde là-haut. La maison avec la girouette. C'est la nôtre. Oh, juste au-dessus du marché. Ouais, la vue va être superbe. Cherche à acquérir des plumes. Brosse et peigne de Florence. Essayez donc. Madame, et si vous changiez de coiffure ? Non, merci, elle me plaît bien comme ça. Oh, tant mieux. La chevelure d'une dame est un précieux trésor. C'est bien dit, oui. Tes cheveux sont très bien comme ça. Mille merci, monsieur. Donc là, si on bouge le passage, c'est que c'est pas par là. Tous les meubles sont vraiment magnifiques ici. Et j'avais une armoire comme ça dans ma chambre. J'aimais me cacher dedans. C'est vrai, oui. Ah, il y a un truc. Deux pièces qui gagnent. Oh, ce vin. Un cadeau pour votre père, peut-être ? Non, il est mort. Mais il aimait ce vin. Ah. Oh. Alors c'était quelqu'un de bien. Oui, en effet. Merci. Bon. Allez. Tu vas voir. Cette fois, je vais te casser les bras. Regarde, des fleurs. Herbes aromatiques, baume, onguent. Ah. Oh, des soucis, des primes verts. Oh, tu connais ton herbier, toi ? Je connais que les fleurs. Ma maman m'a appris. On les garde dans un livre à la maison. Veux-tu en acheter dans ce cas ? Merci, mais nous aimons les cueillir dans la nature. Vieille habitude. Je comprends. Au revoir. Oui, viens. Allons voir le reste. D'accord. Quoi, non ? Je voulais ramasser une fleur. De long, large et en travers. Hein. Premier choix. Ah. Oh, ils sont magnifiques. Merci. Je les fabrique moi-même. Vous savez en jouer ? Non, je n'ai jamais pris le temps d'apprendre. Mais elles visent comme personne. Je pourrais en jouer. J'aimerais beaucoup. Un jour, j'apprendrai. Ok, c'est pas ce que je voulais. Ça a tremblé parce que... Ses parents doivent être des dragons. Donc là, on est d'accord qu'il n'y a rien. La foire aux bestiaux est toujours prévue. On doit déjà y être. Il paraît que certains animaux sont malades. Oh, dans ce cas, je préfère attendre. Et je peux pas aller par là, j'imagine, ou bien si ? Non. Bon. Agneau ! Du pain chaud ! Miam ! C'est comme celle de la maison ! Celle-ci est plus grande et plus active aussi. T'as devant toi le meilleur forgeron de la région. Il doit tellement transpirer ! Ça, c'est sûr. Toujours rien à collecter. Bon, je crois que j'ai en plus plus ou moins fait le tour. On va me regarder par là. Allons voir notre maison. Ça devrait être un peu plus haut. Dis. Alors, attends. Ma chambre si tu veux. Tu n'en veux pas une à toi ? Je sais pas. Mais comme ça, on pourrait s'inviter dans nos chambres. Oui. J'adore cet endroit. Moi aussi. Impressionnant, hein ? Là, je peux pas. T'as vu ça ? Je ne
jouer. Donc là, il n'y a pas de coffre non plus. Un compte d'Arles pour nos visiteurs. Un jeu? Qu'en dites-vous, madame? Vous avez l'air d'une gagnante. Oui, elle l'est. D'accord. Alors, quelles sont les règles? Oh, vous avez 4 tirs pour inverser autant de cubes que possible. Compris? Essayons. Prête? C'est comme à la foire chez nous, Amicia. Facile. Allez! Oui! T'es vraiment forte! C'était pas loin! T'arrêtes pas! T'en as touché plein! Évidemment! Qu'est-ce que tu croyais? Vous détenez le record du jour! Et t'as même pas utilisé ta fronde! Je pense qu'on devrait y aller. Merci. Au revoir, monsieur. Ah, nouveau souvenir, meilleur joueur. Ok. Alors, nous avons un souvenir sur 21. Eh bah, donc nous avons 21 souvenirs à collecter. Bon bah... Ok. C'est comme ça qu'on acquiert les souvenirs. Là, y a rien. Je pense qu'on va pouvoir monter voir la maison parce que... J'ai déjà fait le tour du marché. Retrouve après ma garde, d'accord? Tu es sûr? Ils te font travailler tout le temps. Ah, je sais, mais c'est comme ça depuis que le comte a renforcé les pouvoirs du capitaine. Ok. Je peux pas cueillir les fleurs. Non, on peut même pas aller dans le jardin. Ah, je pensais qu'on pouvait aller par là, donc non. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non plus. Non plus. Faisons cela, allez go. Tu vas comme tu veux là-haut? Oui, je peux tout voir. Ouais. Jusqu'au bout. Il est temps d'aller voir cette maison. Oh non, déjà? Oui, mère doit sûrement s'impatienter. J'aurais voulu rester encore un peu. On viendra. D'accord, ça fait pas un souvenir. Hein? Pour ça, tu peux descendre de moi. Hein, elle est pas de ce côté, la maison. C'est vrai.
vient d'ici. C'est comme s'il ne savait pas pour les mauvaises choses. Les mauvaises choses? Oui, tout ce qui se passe dehors. Je pense qu'ils savent, mais ils se sentent en sécurité ici. Toi aussi, tu verras. Bon, je vais te reposer un moment. Il faut qu'on se dépêche un peu. Oui, j'ai hâte de voir la maison. Là, il y a... Ah, tu peux lui parler? Non. Je me demande si elle est grande. Moi, j'espère qu'on a des vrais lits. J'espère qu'on voit le marché depuis ma chambre. Une chambre de roi, bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un est fatigué. Alors... Là, où il y a la girouette qu'elle a dit. On va même faire le tour parce qu'il faut qu'on crafte des trucs et pour l'instant j'ai rien repéré qui nous permette de crafter des machins. Ni des plantes, ni des coffres, ni des plumes. C'est pas faute d'essayer. Vous êtes là? Comment c'était? Ils ont tout ici. C'est vrai. Il faudra qu'on y retourne ensemble. Bien sûr. On a besoin d'herbes fraîches. C'est notre porte. Est-ce qu'il y a des plumes à ramasser par là? Attends. Regardez. Je crois qu'on peut appeler ça chez nous. Oui, chez nous. Je n'ai pas dit ces mots depuis un bout de temps. Souvenir. Je suis content qu'on soit venu. Je crois que quelqu'un a besoin d'une sieste. Je suis pas fatiguée. Bien sûr. Rentrons voir l'intérieur. Pas de souvenir non plus. Ça a l'air calme. Et il fait moins chaud ici. C'est beau. Vous êtes prêts à entrer? Bah écoute, ouais. Passe devant. On y est, Hugo. Notre nouveau chez nous. Viens, allons jeter un coup d'œil. Oui. D'accord. On verra plus tard. Mère, où est la chambre d'Hugo? Il est épuisé. En haut. Le lit est prêt. Merci. Allez, viens mon petit Loire. Tu dois venir, Amicia. Venir où? Sur l'île. Tu seras guérie aussi. Guérie? Oui, ce serait bien, c'est vrai. Vraiment bien. Tu réfléchis trop. Parfois, il faut simplement se fier à son intuition. Je sais, mais... J'ai du mal à comprendre la logique. La matière obéit aux lois de la nature. Et la macula aussi. Oublie la logique, Lucas. Sois simplement humain. Peut-être que je ne suis pas doué pour être humain. Mais si, c'est même pour ça que tu doutes. Aujourd'hui a dû la réveiller. Nous avons eu 6 mois de répit après le 2e seuil. Mais l'équilibre de son sang est très fragile.
Amicia, pars avec Lucas. Magister Vaudin est quelque part en ville. Trouvez-le et dites-lui de venir dès que possible. Tout de suite. Amicia. Ok. Je sais. Nous serons prudents. C'est à cause de ces fermiers. J'aurais jamais dû... Oh ! Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être si sûr ? Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans son sang. La macula évolue. Elle fait passer le porteur par différents seuils. Et ce magister Vaudin, il peut vraiment l'aider ? L'ordre étudie la macula depuis des siècles. Si eux ne le peuvent pas, je ne sais pas qui le pourra. Seigneur, protégez-le. Pourquoi Vaudin ne s'est pas déjà présenté ? Je pense qu'il préfère rester discret. L'ordre fonctionne comme ça. Quelqu'un le connaît sûrement. Demandons autour de nous. Ah bon ? Là, un garde. Je vais lui demander. Bonjour. Pardonnez-moi. Savez-vous où nous pourrions trouver le magister Vaudin ? Je connais un messire Vaudin, mais pas de magister. Allez donc voir les fleuristes au marché. Il me semble qu'il leur rend visite de temps en temps. Merci. Il est où le fleuriste ? Ah non, faut qu'on redescende. Bien, c'est un début. C'est évident. Il ne peut pas utiliser publiquement le titre qu'il porte au sein de l'ordre. Nous sommes passés devant une fleuriste tout à l'heure. C'est quelque part du côté du marché. Ouais, mais je me souviens plus où elle est. Ah, c'est elle. Rebonjour. Oh, c'est encore vous. Vous cherchez des fleurs pour le petit ? En fait, nous cherchons Messire Vaudin. Je crois que c'est un de vos clients. C'est un client de mon mari. Les herbes médicinales, c'est plutôt son affaire à lui. Ah. Mais Martin devrait se trouver près de la fontaine. Dites-lui que je vous envoie. Il porte une tunique brune. Une tunique brune. Merci pour votre aide. Alors, attends. Une fontaine. Est-ce qu'on a vu une fontaine ? Je suis même pas sûre d'avoir vu une fontaine. Espérons qu'il nous aide. Il le fera. Alors, attends. Une fontaine... Donc, c'est sûr que c'est pas par là. Parce que j'ai vu une fontaine, moi, je me souviens plus. Pardon, monsieur, c'est votre femme qui nous envoie. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Je dois nettoyer tout ça. Je suis occupé. Ah, c'est la fontaine. Ce n'est pas pour elle. Okay. Nous devons trouver Messire Vaudin. Lui ? Il n'aime pas qu'on le dérange. Et moi non plus, d'ailleurs. Écoutez, mon frère est très malade. On doit le trouver immédiatement. Oh, d'accord, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de la reine, là-bas. Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. N'ayez crainte. Merci. Bien, ne perdons pas de temps. Près de la reine là-bas, c'est où la reine là-bas ? C'est la reine là-bas, là-bas ? Le quartier de la reine, pas ? Il y a beaucoup de maisons. Comment allons-nous le trouver ? Il y a du grabuge dans l'air, je le sens. Oui, j'ai interdit aux enfants de quitter. Quel taudis ! L'ordre est riche, que fait un magister dans un endroit pareil ? Il se cache sans doute ? Oui, sans doute. Bon. Sachez que je suis toujours à l'affût d'un coffre ou de... Amicia, une plume. Ce symbole sur le mur. L'ordre. Oui, il est là. Défense d'entrée, l'arène est fermée au public. Et pourquoi donc ? Parce que le comte de Provence l'a ordonné. Maintenant, circulez. Écoutez, j'ai vraiment besoin de passer. Ça ne fait rien. Viens, on va faire le tour de l'arène. Oh ! On m'arrange pas, hein. Ne perdons pas de temps avec des soldats. Jetons un coup d'œil aux alentours. Tu as raison. Désolé. Il n'y a rien. Si je grimpe par là non plus. Il y a une porte là-haut. Oui. Attends, attends, laisse-moi fouiller.
Alors, prête à enfreindre la loi. Allez. C'est parti. Est-ce que c'est là ? La morsure, oui. Ils ont condamné la reine. Ils les ont laissés mourir. Alors tout va recommencer. Ça a déjà commencé. Hugo, on l'a amené ici. Allons trouver Magister Vaudin. S'il n'est pas déjà mort. Oh là là ! Comment ont-ils pu les laisser pourrir ici ? Ces gens ont l'air pauvres. Ils doivent venir des taudis alentours. Attendez, parce que moi, il faut toujours que je crafte, alors... Mais il n'y a rien, hein. Comment personne n'a pu remarquer leur disparition ? L'indifférence générale. Sans doute. Là, un autre symbole. Bon, il n'y a plus qu'à entrer. Ouais, attends. Les symboles vont nous mener à lui, tu crois ? Là-haut, il y a un passage. Il y a forcément un moyen de grimper. Ça pourrait servir. Je vais t'aider. Ouais, mais moi je peux toujours pas crafter. Si Vaudin est ici, il est en danger. Il connaît la morsure. Il doit ah oui, j'avais oublié à quel point c'était galère. Si tous ces gens ici ont été mordus, ça veut dire... Pas forcément. Un malade aurait pu l'amener à l'intérieur de la ville. Ah ouais, à chaque fois. Hop. Et hop. Ok. Qu'il est ici, quelque part, et tu le sais aussi. Cette brute n'est pas un soldat, mais il en a l'habit. Alors, on va passer par le champ. Pas une seule pièce. Non. Combien c'est-il ? Je vais plutôt chercher notre homme. Si je le trouve, j'aurai une récompense. Amicia, il va nous voir. Je vais le faire bouger. Remercie ce salaud de conte qui t'a laissé crever ici comme un chien. Il y a un truc à amasser par là. C'est moche de mourir comme ça. Et nous, il faut qu'on aille du coup par là-bas. Alors, là, nous n'avons rien. On va prendre les petits cailloux. C'est ça, va-t'en. Qu'est-ce qui fait ce boucan ? Quelqu'un avec ça ? Rien de mon côté. Un médecin ? Non, ce Vaudin est plus insaisissable qu'une anguille. Les chefs qui va pas tarder. Mais... Ils cherchent Vaudin, eux aussi. Ils pensent qu'il est médecin. C'est bien notre chance. Eh ben, s'il est là, il a pas fréquenté fort pour soigner ses malheureux. Regarde ça, ils sont encore plus pauvres que nous. Bonne guerre. Alors arrête de tout mettre à sac et cherche ce maudit alchimiste. Ah, quelqu'un va finir par le trouver.
Allez, reprends-toi un peu. Est-ce que ce serait par là? Moi, je peux pas le prendre. Attends. Je sais même pas si je vais au bon endroit. C'est là ou pas? Voilà. Ça a l'air. Oh, ça empeste. C'est quoi ça? Oh, moi aussi. Pitié, non. Là-haut, on dirait qu'on peut rentrer par là. Trouvons un moyen de monter. Vite. Ah ouais. Attends, il faut qu'on monte où? Il faut qu'on monte là-haut. Oh là là, ça je peux pas le pousser. Il y a une sorte de... moitié de chariot ici. Mais il n'est pas assez haut. Je pense qu'il déplaçait les corps avec. Cette cage là-haut semble être de la bonne taille. Oh, elle est remplie de cadavres. Oh, ne regarde pas. Alors, regarde pas. Moi, je vais vomir aussi. Hop. On va le pousser. C'est un massacre. Ah ouais. C'est nous qui l'avons amené ici. On les a condamnés. La Guyane est toujours touchée. Ça a déjà commencé à se répandre. Oui, mais ils auraient dû l'avoir venir. Ça n'aurait rien changé. C'est immonde. Toujours un coup d'avance sur nous. C'est vrai, mais aucun de ces corps n'a été dévoré. Encore autre chose. Regarde, j'ai l'impression qu'ils recensaient les morts. Ils ont oublié un couteau. Oh, il est coincé. Allez. Oh, hé, j'ai mis un couteau. Continuons par là. Je t'ai jamais vu utiliser des lames contre des gens. Je l'ai déjà fait. J'avais pas le choix. Une lame, c'est silencieux et rapide. C'est exactement ce qu'il nous faut. Bon, c'est toi qui vois. Donc là, on peut grimper. Et là, on peut rien faire, donc c'est forcément par là.
Donc là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien non plus. On y va. Regarde par là. Un autre symbole. Bien, mais Lucas, si ces gens sont tombés malades, ça veut dire que certains ont dû être mordus. Je n'ai vu aucun signe d'attaque. Pour le moment. Bon, attends. Avançons. Je le vois pas, moi, le signe. Des soldats renégats. Ça ne me dit rien qui vaille. Hey, non, moi non plus. Des corbeaux. Quelqu'un veut une aile rôtie? Un archer. T'as tiré sur un cadavre. Imbécile. Oh, ça va. Ils ont bougé au dernier moment. Arrête de jouer et ouvre l'œil. Ou c'est toi qui expliqueras à Arnaud pourquoi on n'a rien trouvé quand il arrivera. C'est quoi ça? Oh, quelle perte de temps. Personne nous a vu. Parce que là, il n'y a rien à crafter par là encore, pour le moment. D'accord. Ah, il est là-dessous. Ils n'ont pas encore trouvé Vaudin. Il est plus malin qu'eux. Mais il est seul. Ils finiront par lui mettre la main dessus. Et alors Hugo sera perdu. C'est vrai. Donc il faudrait qu'on se cache sous la table pendant qu'il a le dos tourné et ensuite qu'on monte les escaliers. Ok, on va faire ça. Avec moi. Il va sortir quand il est là. Ok, on y va. Je vais se mettre là, pour qu'il nous voie. Hop là. Il y a un garde par là. Alors attends. Il y a un garde par là et nous il faut qu'on se rende par là-bas. Donc. Mmh.
faire le tour. Hein. Ils nous font perdre notre temps. Essaie de respirer. On se rapproche. Ah ouais. Comment ? Alors attends, on va choisir du coup le concept de pierre. Ah oui, c'était quoi ? C'était quoi ? Satan ! Hey ! Les salopards sont là ! Chopez-les ! Des hallucinations. Ah, je me suis fait hutte. Ben non. Non, évidemment. Évidemment. Pas vu la... J'avais pas vu la petite porte. Don't move. Ah bah ouais, voilà. Vous pouvez tourner en rond. On a réussi. Oui, mais je n'en veux plus de ces voleurs, tueurs, mercenaires, toute cette vermine qui se met toujours en travers de notre chemin. Le chaos gouverne nos vies. Ces gens en font partie. Et tu apprends à faire avec. Je le vois bien. Tu n'as pas épargné beaucoup de monde là-bas. Oui, c'est certainement pour ça qu'on est encore en vie pour en parler. Ok. Alors, la manière dont vous faites face aux situations influencera l'évolution des habilités d'Amicia. Appuyez sur Bacha pour ouvrir le menu des habilités. Alors, prudence. Ok. Et connaissance alchimique. Ok, et l'autre c'est le... Ah bah voilà. Donc on peut pousser les ennemis dans du feu ou des rats. D'accord. Limite on peut même faire les deux. Opportuniste, opportunisme, ça c'est l'alchimie et prudence. Ok. Bon bah ok. Oh, cette odeur. Des cadavres. C'est quoi cet endroit ? Un hôpital ? Je crois qu'ils vivaient ici. Ça explique tous ces malades. Je ne m'y habituerai jamais. Personne ne le devrait. En plus, moi, je sors du travail, alors c'est magnifique. Tout va bien. Je retrouve mon travail dans mon loisir. Magnifique, magnifique. Je m'en vais, hein. C'est bon. Alors, il y a là. Ou là. On a déjà regardé là. Mais j'ai vu aucun coffre. Ni aucune plume, ni aucune fleur, on est d'accord. Là, une survivante. Ah. Madame. Oh, Alice. Oh. C'est toi. Je ne suis pas Alice. Promets-moi que tu prendras soin de toi. Bien sûr. Faut essayer de pas mourir. Promis. Sois en paix. Tu as bien agi. Je n'ai rien fait. Allons-y. Oh, deuxième souvenir. Est-ce qu'on peut l'arrêter, Lucas ? Tu veux dire, la morsure ? Oui, mais si on guérit Hugo ? La vraie question est, est-ce que ça arrêtera les rats ? Je n'en sais rien. On n'en a pas encore vu. S'ils sont là, ils se cachent du soleil. Ils attendent. Ok. Alors, on a deux souvenirs.
La question est, est-ce que ça va... Est-ce que c'est dans l'ordre? Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre du tout. Et je me souviens même plus si on avait des souvenirs dans le premier opus. Je sais qu'il y avait les fleurs, ça je m'en souviens bien. Il y avait les... Faites qu'on y soit enfin. Les petites charrettes pour le... pour récolter un maximum de... Oh là là. Un maximum de... de collectibles afin d'augmenter tout ceci. Oh Seigneur, c'est une vraie ville. Le symbole, il est dans cette tour, c'est sûr. Sûr ? Lucas, on va avoir un mal fou à traverser tout ce chaos. C'est l'ordre. La place d'un haut magistère est dans la plus haute tour, non ? Oh, allons-y. Ça pue ou ça pue pas ? Oh Seigneur, ça pue. Je suis pas convaincue, hein. T'es sûre de toi, Amicia ? Non, mais c'est le seul moyen. Fais très attention. Je crois qu'il va falloir qu'on court. Je le sens. Voilà. C'est bien. Oh, c'est dégueulasse. Tu peux te lever? J'essaye. Je suis pas sûr de vouloir. Ne me frappez pas. Calmez-vous. Nous ne sommes pas avec ces hommes. Vous habitez ici? Oui. S'en sortir. Il le faut. Mais ouais. Soyons très prudents. Je le savais. Je t'avais dit qu'ils étaient ici. Ils sont des millions. Comment? Comment peuvent-ils déjà être aussi nombreux? Hugo, ils sont là pour lui. Attends. Bah, la roue, elle me servira à rien, on est d'accord. Alors, avant. Poussez-vous. On va jusqu'à cette tour, on trouve Baudin, on le ramène à Hugo et on s'en va. Attends les gars, on va jusqu'à la tour. J'ai tout perdu en tombant. En brassant. Oui, surtout ne fais pas tomber cette torche. On peut escalader ce mur.
Mais je dois avoir les mains libres. Pas le choix. Je n'arrive pas à croire qu'on abandonne la torche. Ouais, bah... Sale vermine. On fait quoi? Utilisons un bâton. Il va vite se consumer. On reste en ligne droite. Oui, la plus droite possible. Poussez-vous. À la nuit tombée. Oui. Rien ne les empêchera de sortir. Ah. Alors, on a bâton. Et en ligne droite, ça fait par là-bas. Allez, viens. Viens. On doit absolument se réfugier plus en hauteur. La flamme tient bon. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Ok. Embrassez-vous bon. À la fois. On peut le faire. On va le faire. Là, une échelle. Ok, bien. On y va. Ah, au-dessus, là. Ok. Oh, la lumière n'attend pas l'échelle. Cet anneau a l'air plutôt fragile. Je le vois. Ah, ok. Alors, attends, lâcher. Je vais prendre... Ah ouais, ma flamme, c'est bon. Je vais... Ah, pardon. J'ai pas mal. Oui, beau travail. Allons-y, voilà, vite. Bien. Hop. On retrouve les mêmes... mécaniques. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Fais vite. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Les mêmes mécaniques que dans le premier, donc avec ces petites énigmes sympas où il faut absolument se frayer un chemin en fonction vraiment des torches et tout. Une poutre. C'est l'unique chemin. Écoute, on y va. Oui, doucement. Waouh. D'accord. Surtout, prends ton temps. Ah, regarde. Je le savais. Est-ce que ça va? Non, je suis encerclé. L'échelle, il faut que tu montes, vite. Oui, fallait que ça m'arrive à moi. J'ai besoin d'aide. Ils en ont après moi. Reste calme, tu es en sécurité. Pour l'instant. Je ne t'abandonnerai pas, tu le sais. Moi j'arrive pas à... Attends. Faudrait que je vise là-bas. Alors attends. Parez-vous. Un petit morceau et je vais le lancer sur le bras zéro là-bas. J'ai besoin de lumière. Voilà, c'est bon. Merci. J'essaie de te rejoindre. J'ai besoin d'un bâton pour traverser. Allez, courage, fais vite. Eh oui, ça va le faire. Cette fois. Tu vas y arriver. Ne panique pas. C'est un peu tard. Ben non, faut pas paniquer. C'était horrible. Merci. Arrête de me donner des sueurs froides. Avançons. Alors j'imagine qu'on peut monter. On va monter. On se rapproche de la lumière du jour. Peut-être qu'on se sera rapproché de cette tour. J'ai hâte d'entendre le plan du magistère Vaudin. Son plan a intérêt à être bon. Il le sera. J'affronte pas des rats pour rien du tout, moi. Je préviens, hein. Que ça se sache. Oh non! Me dis pas qu'on doit redescendre. Et si? Tu plaisantes? Non. Et l'état d'Hugo empire à chaque seconde qu'on perd ici.
Ta mère veille sur lui. Tout ira bien. Ah ouais. Il n'y a pas de rats ? Non, mais ils étaient là il y a peu. Regarde tous ces corps. Oh. Encore chaud. Ils sont proches. Attention. Je peux pas aller par là. Non plus. Oh, Seigneur Dieu. C'est immonde. Oh. Qu'est-ce que c'est? Des rails dans le mur. On dirait un mont de charge. On pourrait sortir par là. Alors... faire descendre la plateforme centrale. Lucas, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu ça dans un livre. C'est un éléphant d'Afrique. Les Romains l'ont capturé pour les jeux du cirque. C'est énorme. Regarde ses dents. C'est irréel. Oui. Il y a suffisamment d'ossements ici. Trouvons la sortie. Nouveau souvenir? Ah, j'aurais essayé. Alors, attends, je vais juste faire un peu le tour, voir si je trouve d'autres trucs. J'ai pas l'impression. Là, je peux grimper. Là, y a rien. Attention, mon petit Lucas. Et là, j'aurais fait le tour. Ok. J'ai grimpé par là. Ça sent. Cette odeur, c'est du soufre. C'est une forge, une manivelle. Voyons à quoi elle sert. Bah, forger. C'est parti, mon coco, on y va. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr. Waouh. Oh non, tu entends ça? Oh non, c'est non. Regarde où ils sont. On est coincés, Lucas. Non, non. Regarde la plateforme. Le bras zéro. Je pense qu'il est assez gros pour illuminer toute la pièce. Comment on fait pour l'allumer? Je ne sais pas. Salpêtre, soufre, alcool, tout ce qu'on peut trouver. Bien, les alcôves sont ouvertes. On y trouvera peut-être quelque chose. Ouais, attends. Attends. Moi, je veux bien, mais... Des stocks de viande. On a besoin d'un agent de conservation, comme... de l'alcool. Peut-être dans ce coffre. Bon. Essayons d'occuper ces rats, d'abord. Ne tombe pas. Merci, Lucas. C'est des conseils. Moi, j'avais l'intention de me viander. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont attirés par la viande. Répugnant. Bien, mais ça ne suffira pas. On croirait qu'ils n'ont rien eu à manger depuis des siècles. C'est dégueu. Non, descends. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Des bouteilles d'alcool. Oui, c'est bien. Très bien. Reviens. Alors, on va récupérer de l'alcool. Elle a servi à quoi d'ailleurs? Ah non, c'était pour remonter. Bien. Il faut un autre élément et on pourra fabriquer de l'ignifère. Tu te souviens? L'ignifère. Je l'avais oublié. Allons voir dans l'autre pièce.
C'est du soufre, c'est ça? Oui. Il y en a de répandus sur ces planches. Le coffre là-haut doit en contenir plus. Du soufre pur, ce serait parfait. Alors montons voir. Ah oui. Une manivelle. Il y a un monte-charge. Évidemment. Est-ce que ça va? Restera... Oui, c'est le plus beau jour de ma vie. Attends. Lucas, tu dois le faire. Bien sûr. Je tiens. Et attends. Je dois mettre ça où? Je crois pas qu'il faille que je le mette là. Par contre, le guidage. Ton signal. Alors LB. Alors, pour annuler un LB Y. Je peux arrêter maintenant. Tout de suite. OK. Ah, il faut accélérer. Ice. Je m'inquiète pour Hugo. La tour n'est plus très loin. Dès qu'on trouve Vaudin, il... On ne sait même pas s'il est là-dedans. Et avec les rats et ses mercenaires. Hé hey. Une chose à la fois. Oui. Il faudrait grimper sur quelque chose pour atteindre ce coffre. Ouais, ouais, voilà. Garde ça. Hop. J'avance la fougère. Alors, tu trouves quelque chose? Tu avais raison. C'est du soufre. Oui. Enfin une bonne nouvelle. Bien, on a du soufre et de l'alcool. C'est une base idéale pour l'inifère, hautement réactive. Allez, mélange-les. L'inifère, ça faisait si longtemps. Ça alors. Fini. Lance-le sur ces braises avec ta fronde et espérons que ça marche. Alors attends, Oh bon sang. C'était hautement réactif, en effet. Merci, Lucas. Cet inifère sera plus qu'utile. Maintenant, essayons de faire descendre cette plateforme. Je crois que j'ai vu d'autres manivelles dans les parages. Jetons un œil. Voilà nos manivelles. Là-haut. Sous les arches. Oui. Essayons. Waouh. Ça fait beaucoup de vieilles jarres. J'imagine facilement la foule égayée par le vin en plein combat de gladiateurs. Oui. Avec alcool et souffle. Pas prendre alcool et soufre. Est-ce que moi je vais fabriquer et est-ce que si je fais plutôt ça. Et si je choisis du coup ça. Je
Chemin, faisant. Il y a encore des rats. Ce pot en terre, là. Il pourrait concentrer l'effet de l'énifère et le libérer à l'impact. Vas-y, essaie. Espérons que ça marche. Quel pot en terre? Quoi? C'est fait. Lance-le pour allumer un feu très bref. On pourra traverser, mais on devra faire vite. Ok. Maintenant. Oui, allez. Eh bien, c'était une bonne idée. Oh, c'est possible. On avait ça dans le premier. On avait pas ça dans le premier. Allez, déplaçons ce monstre. Ah, c'est beaucoup trop lourd. C'est à ça que sert la manivelle de l'autre côté. On a besoin d'être deux. D'accord. Reste là. Je vais m'occuper de l'autre. J'attends ton signal. Cessez ça, Amicia. Espérons. Si quelqu'un m'avait dit qu'on aurait nos propres jeux du ciel. Si quelqu'un m'avait dit que le monde serait sur le point de s'effondrer à nouveau. Ah oui, ça aussi. Alors, on va fabriquer du coup... on va déjà fabriquer. Ok, comme ça on en a suffisamment. Voilà. Des cages. Il gardait d'autres animaux. Hop, maintenant, il faut qu'on aille. Il faut que tu t'accroches. Je fais tout ce que je peux. Il faut qu'on aille, il faut qu'on aille. Je verrai. La manivelle maintenant. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait le morceau de viande là. J'y suis. J'attends ton signal. Oui, ça marche. C'est incroyable. Merci, Seigneur. À ton signal quoi? Maintenant! T'as entendu? Le frein doit être en train de céder! Enfonce à la plateforme! Vite! J'ai même pas pu récupérer mon coffre là! Comment t'as fait ça? Avec énormément d'habileté et de patience. Ouh! Ça recommence. Je suis pas d'accord! Tu comprends ce que ça signifie? Oui, bien sûr. Mais on en a vu d'autres. Tu as vu comment ils sont chargés? Leur façon de bouger, ils sont plus rapides, plus agiles, plus intelligents. Mais on a réussi. De justesse. Trouvons le magistère Vaudin. Avec le soutien de l'ordre, nous ne serons plus seuls pour les affronter. J'espère vraiment que tu as raison. Ok. Donc apparemment, c'est pas ce type de coffre-là qu'il faut ouvrir pour obtenir le succès. C'est un peu plus embêtant, parce que alors du coup, on a croisé aucun coffre qui mériterait notre attention. C'est frustrant. Allez, go. Pitié, dis-moi que nous sommes sur le bon chemin. Ouais, pitié. Oui, la tour. On s'est un peu rapproché, non? Un peu. Mais c'est mieux que rien. Alors... Et je me demande où sont ces satanés coffres et ces satanés plumes et ces satanés machins. Je ne vois aucun signe des mercenaires. Espérons qu'ils ne le trouvent pas avant nous. Allez, dépêchons-nous. Je suis prête à acheter le feu, hein. Vous connaissez pas... Je suis la sosie officielle de John Hallyday, moi. Allumez le feu. Je peux passer par là. Allez, viens, copain, on y va. Là, y a cet rien. Cet endroit semblait plutôt agréable, en fait. Avant la morsure, oui. Ah, attends, il y a un truc. Voyons là. Ce qu'il y a là-dedans.
une chapelle de fortune. Tu veux prier? Si tu penses que ça peut nous aider. C'est gentil, mais on n'a pas le temps. Bon, on a trouvé une chapelle. Là, on peut pas ouvrir. Donc, un jardin potager. Oh, regarde ça. Faut que je cueille des fleurs, les gars. Faut que je cueille des fleurs. Apparemment, c'est pas par là. Ah! Oh! Ma première fleur! Ah, trop bien! Que fais-tu ici? Celui qui l'a plantée ne la verra pas grandir. Hugo va l'adorer. Je vais la porter là. Comme avant. Ça te va bien? Eh ben, merci. Continuons. Première fleur! Ah, il y a un truc en... en haut qui brille là. Attends. Et je peux pas l'obtenir, j'imagine. Ah ah. Alors, ce serait intéressant de pouvoir grimper mes chaînes. Non. Mais ça doit pas être ce type de coffre là, moi je pense. Hein. Alors attends, est-ce que si je vais par là... Je me demande comment le comte de Provence espère régler cette pagaille. Les gens ont l'air de dire qu'il s'en moque. Il laisse son armée gouverner. Ce qui n'empêche pas ses mercenaires d'agir en toute impunité. Nous qui pensions être en sécurité. On est vraiment plus très loin de la tour. Alors attends, avant d'aller plus loin, je vais monter. Oh, c'est des choses à collecter. Okay. Je suis full. Ah, il y a quelque chose là. Un couteau. Ok, j'ai collecté un couteau. On va redescendre alors. Trop bien. Trop bien. Allez, viens copain, on y va. Par ici, un dernier effort. C'est vraiment grand. Il doit être là-dedans. C'est l'endroit le plus sûr, en tout cas. Si l'ordre a encore un tel pouvoir, il pourrait sauver Hugo. Ouais, clair. Alors... Non, là-dedans, je rentre pas. J'aurais essayé, hein. Ah, y'a rien. Là, c'est combien de gens sont morts ici? L'endroit était bondé, les issues fermées. La morsure a emporté tout le monde. Ils ont été condamnés. Ah! Là, il y a des hautes herbes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir du danger. Je le sens bien, je me cache. Là, il n'y a rien. Donc, on attend qu'Arnaud arrive pour le débusquer. Dis aux hommes de se tenir prêts à envahir la tour. Ok. T'as pas entendu? On a perdu des gars. Il y a quelque chose qui cloche. Allons attraper ce foutu alchimiste et fichons le camp. Nathan, Arnaud, c'est un ordre. Très bien. Tant pis. Il est bien dans la tour. Et ils vont bientôt la prendre d'assaut. Lucas, c'est notre dernière chance de sauver Hugo. Oui. On doit atteindre le magistère Vaudin avant que leur chef n'arrive. Viens.
Il y a un truc qui s'illumine par là-bas. Viens. Essaie de rentrer dans la maison. Attends, mais j'essaie juste de faire le tour, voir s'il y a des trucs. Ah. Mmh. On sait, t'en fais pas. Est-ce que de grimper... Alors, attends. Oui, on lui a cassé sa tronche. Pas de temps à perdre. Mais est-ce que... Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un morceau de bois sur la planche? Vérifie juste. Hein. Ouais, ça c'est le tour. Ça on l'a fait. Ok. On va tout explorer. Hein. Comme maintenant on sait qu'on peut ramasser des petites fleurs. J'étrangle tout le monde, moi. Rien à battre. Hors de mon chemin. Ouais, voilà, hors de mon chemin. Je suis lapin. Moi, j'ai que s'ils ont mis ce bout de bois là, c'est pas pour rien. Ça voudrait dire qu'il faut que je zigouille tout le monde. Pam, 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 pam.
Donc ça peut pas être là. Ah bah j'ai perdu mon beau. Pas un bout de bois là. Ok. Voir à ton verre. Je vais prendre ça. On va prendre ça aussi. On va tout faire. Juste de l'alcool, pas du soupe. Je peux plus passer. Fiche-moi. Attends, faut que j'aille où là? Elle est où cette satanée tour? Je comprends rien. Elle est là, non? Elle est là. Donc il faut que j'aille pas là. On a déjà chopé des trucs. Ok. Donc, moi j'ai toujours un bâton au cas où. C'est bon, vous avez gagné. Ça y est, vous êtes pris. C'est galère. C'est galère, c'est galère. Ah, je pense que c'est pour ça qu'il me fallait le bâton pour après aller là-bas.
un peu où il est le bâton. Ça m'embête, j'ai perdu mon bâton. Ah non, il est là. Je vais prendre ça. Perte de temps. Ça ira bien. Facile de vous trouver, maintenant essayez pas de fuir. Ils nous tiennent. Ah oh, purée, c'est pas vrai. C'était qu'un début. Vous me saoulez en fait. Hein. Est-ce que vous pouvez me laisser tranquille? Enfin! Oh. On y est. On est à l'abri. Tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Vaudrin est quelque part ici. On a réussi. Ces derniers mois, sur la route, après tout ce qui s'est passé en Guyenne, Hugo a toujours été terrifié à l'idée que ça recommence. Mais tout était tellement magnifique et silencieux. Et alors je lui ai dit que c'était peut-être terminé. Que le pire était derrière nous. On l'a tous espéré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Que les rats sont de retour? Que la morsure tue par milliers? Que cette nouvelle maison qu'il adore agonise déjà. C'est au-dessus de mes forces. Ce serait le cas pour tout le monde. Mais nous ne serons bientôt plus seuls face à tout ça. Nous aurons les meilleurs alchimistes à nos côtés. Ça va? D'accord. Regarde. Une vraie loge de l'ordre. Trouvons ce magistère, Vaudin. Pour Hugo. Allez, pour Hugo. C'est un vestibule. Comment allons-nous faire pour monter? Je ne vois pas de porte. Mais ces sortes de cloches en métal. Regarde, elles portent des symboles de planètes. Et ici, le soleil trône en leur centre. L'ordre des planètes n'est pas le bon. Comment ça fonctionne, tout ça? Il y a une serrure sous chacune de ces cloches. C'est un seul et même mécanisme. Mais on n'a pas de clé, alors... Je pense que la clé fait pivoter chaque cloche. Mais ta fronde pourrait faire l'affaire. Commençons par la gauche. D'accord. Le bon ordre est, de gauche à droite, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus et Mercure. Le symbole de Jupiter ressemble à un Z, comme Zeus. Attends, qu'est-ce qu'il a dit Commence par la gauche. Tu peux répéter? Genre ça? Attends, je vais mettre en caillouette. Attends,
Genre la clé. Y a rien dessous, on est d'accord? Ah là peut-être. Moi je suis complètement nulle. Ah. Non? Z. C'est ça. Jupiter. Et ensuite? À droite de Jupiter, c'est Mars, le dieu de la guerre. C'est un bouclier transpercé d'une lance. Une lance, un bouclier. Mars devrait être un cercle avec une ligne le traversant. Mars, c'est ça. Maintenant Vénus, c'est celui juste à droite du Soleil. Le symbole a la forme d'un collier. Collier. Cherche un cercle avec une ligne tracée vers le bas. Je crois que c'est le Vénus. Le dernier, c'est Mercure, le dieu du commerce. Il porte un bâton avec deux serpents entrelacés. Le symbole de Mercure comporte deux serpents entremêlés. Et voilà, voilà, je crois que c'est bon. Oui. Regarde, ce mur pivote. C'est vraiment archaïque. Beau travail. Allons trouver ce magistère. Y a rien là. D'accord. Magistère Vaudin, je suis Amicia de Rune. La fille. Je comprends pourquoi ces brutes sont devenues si calmes en bas. L'ordre a été impressionné par ta façon de défaire l'Inquisition en Guyenne. Eh bien, je n'avais pas vraiment le choix. Pas un choix. Une vocation. Celle de protectrice du porteur. Une quoi? Une protectrice. Ta fonction au sein de l'ordre. Mais je ne suis pas... Et tu es... Lucas, je suis aussi alchimiste. Un apprenti. Ta magistrat, c'est elle que tu te présentes ainsi. Peu importe. La Macula vient de se réveiller. Mon frère a besoin de votre aide et les rats sont déjà à vos portes. Calme ta colère, protectrice. Elle pourrait bien te consumer. Prends mon sac. Allons voir ce porteur. Magistère Vaudin. Où est-il? En haut. Comment tu te sens? J'ai peur. Hugo, voici Magistère Vaudin. Bonjour. Je dois commencer immédiatement. J'aurai besoin de calme. Mère, je m'en occupe. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me rejoindre sur mon Twitch. On se retrouve pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.